vais aimer au coup, j'ai plus un phare à toi. Mme Mourou, nous deux. What? Finis pas de nous satisfaire, ne bouge pas. Avec ta position, on fait ça à toi. Bonsoir chers abonnés, le sujet d'aujourd'hui est si tu vas à la maison, tu as quitté peut-être ton travail ou voyage et tu viens, tu vois ton mari, la servante en train de faire, en train de poser nation, non, toi-même, que feras-tu après 10 ans de mariage? Quelle sera ta réaction? Restez toujours abonné à nous, n'oubliez pas de liker et de partager massivement, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je peux te poser une question? Oui. Si tu supports ton mari avec ta servante, si vous êtes conjugal, après 10 heures de mariage, que feras-tu? Bon, j'ai pas parlé. La position qui n'était pas faite, puis après, j'essaie de m'attromper à la servante là. Il vient et me couche et puis on fait à toi. C'est simple. Quoi? Oui, on fait à toi. Tu n'as pas frappé la servante. Pourquoi elle a frappé? Point d'interrogation. Aïe, c'est ta servante, hein? Je m'en fous, on fait à trois. C'est parce qu'il ne fait pas, c'est parce qu'il fait pas bien l'amour, il me trompe la servante. Donc je vais aller me coucher, on va se compléter, on serait trois. Alors là, c'est gâté. Et bien là, elle va me montrer la position que je ne sais pas faire. La cause pour laquelle elle couchait mon mari. Ça, si il décide de l'épouser, bon, de la prendre comme deuxième épouse, que feras-tu? Bon, c'est son choix, hein. Donc, tu vas accepter. Oui, ta servante va être. Non, mais puisque lui aussi n'est pas le seul homme, il me trompe la servante, il y a beaucoup d'hommes audio. Au moins, il était le seul. Là, je pouvais comprendre, mais il n'est pas le seul. Méchant. C'est pas méchant, c'est la vérité. Ok, merci, c'était une bonne soirée. Ok, merci. Bonjour. Je peux te poser une question? Oui, allez-y. Si tu surprends ton mari en pleine natte avec ta servante, si vous êtes plus conjugal, après 10 ans de mariage, que feras-tu? Mme Mourou, nous deux. Sur place. Oui, 7 pour 7 coups. En même temps. Là, il a fait 7 pour 7 coups. Il finit pas de nous satisfaire. Il bouge pas. C'est ça, il bouge pas. Attends, maintenant ta servante, elle va continuer à travailler avec vous ou bien tu vas la chasser? Elle va travailler avec nous. On va faire le foyer à toi. Quoi? Le foyer à toi? Mais tu peux supporter ça? Je peux supporter. Lui-même peut-être va finir nous laisser. Lui-même va régler. Il va finir par régler. Calme. Donc tu vas accepter qu'il apprenne comme troisième femme? Non, pas comme troisième femme. Elle sera toujours là. Maintenant, c'est qu'il faisait de mon rôle. On va continuer. Ils vont continuer. Mais moi aussi, le jeu est prêt à y envoyer tout de suite. Et on va me m'envoyer. On me voit encore. Tu veux que tu es mariée? Et puis, on était mariés, lui, il a su ça, non? Et puis, il est parti m'a trompé, non? Et là, tu trouves pas que tu dois garder ta dignité? C'est pour lui. C'est pour lui apprendre une leçon, en fait. Donc, ça sera sur quelques temps. S'il a pu supporter, peut-être qu'il a dit ça après. Tu oublies que tu es une femme. Une femme. Ça, mais ça, il n'y a pas laissé. Ok, merci, c'était tout. Bonne chance. Bonsoir. Bonsoir madame. Je peux te poser une question? Oui. Si tu supprends ton mari avec ta servante, si votre lit conjugal, après 10 ans de mariage, que feras-tu? Bon, je ne vais rien faire. Sinon, à ce stade-là, tu as fait quoi? Point d'interrogation. Tu as vécu pendant 10 ans avec lui, tu sais qu'il a été fidèle. Mais tu n'as pas su ça. C'est maintenant que tu as attrapé ton mari avec la servante pour tu. Bon, sur le lit. Tu ne vas rien faire. On continue à toi, et puis quand il finit, on le prépare, et puis on mange. Chacun a sa tour. Tu ne manges pas là, nous qu'on met dans la vie, c'est tout. Hein. Jésus! C'est un garçon qui n'est pas fidèle. C'est tout ce qu'il veut dire. Non, la servante en question, tu vas la chasser ou tu vas continuer à travailler avec ça? Ça va dépendre d'elle. Sinon, quand on finit de manger, là, quand tu arrives au visage, tu vas pas si tu as passionné, j'ai avancé. Si tu es capable de rester, c'est un conseiller de nous, on continue dans mon sens là. Et lui, moi, si tu te trompes pas, j'ai plein aussi, c'est tout. Tu laisses faire, là que tu gardes mon fils. Elle est ma rivale, elle est ta position, on fait ça à toi. Ok, merci, c'était tout. Merci. Bonjour. Bonjour. Je peux te poser une question? Oui. Si tu apprends, tu supprends ton mari en te tromper avec ta servante, que feras-tu? Ne ferai rien. Pourquoi tu vas rien faire? Tu peux faire quoi là? Tu as vu la trouver, tu la laisses, continue la scène et puis tu t'en vas. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Mais c'est ton lit conjugal, tu t'es marié. Non, il n'y a plus revenu au fait. Hey, Jesus Christ of Nazareth.
sais pourquoi. Mmh. Donc tu vas partir. Voilà. Tu as laissé la servante prendre ton mari. Moi, les domiciles, ils allaient encore. Point d'interrogation. C'est pas donc, possible. Attends. Donc tu vas les laisser pendant 10 ans de mariage. Tu vas les laisser comme ça. Je n'ai pas pensé à ça. C'est qu'il a trouvé chez la servante. C'est qu'il peut faire 10 ans, elle. Mmh. Donc on va partir. Tu as parti. Tu as quitté la maison, tu as quitté ton mari. Nous, tout. Nous, on n'en pas. S'il a vu la servante, il allait vers la servante. Parce qu'il trouve en être la qualité qu'il recherche une femme. Non, il n'intéresse plus. Il faut debout. Merci. Ça, c'est rare. Hein. Bon, t'as tout, merci. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Je vais te poser une question. Ok, je vous ai dit. D'abord, j'espère que tu vas, très bien. Oui, oui, je vais bien. Si par exemple, si tu as quitté ton voyage ou bien au travail, et puis tu vas à la maison. Tu trouves ton mari en pleine assure avec ta servante. Tu vois, les conjugal après 10 ans de mariage. Il fait rien. Il la laisse terminer ce qu'ils ont commencé. Ah bon? Donc, tu n'as rien fait. 10 ans de mariage. Non, je ne peux rien faire. Ah, c'est, c'est votre la préférée. Non. Il va continuer son boulot. Ça il va laisser fait. Prendre ta place comme non. Ça. Il ne va rien faire. Il peut faire quoi là? Point d'interrogation. Il ne peut rien faire. C'est la servante qui veut. Non, il va rester avec la servante. C'est simple. Mais pendant ce temps, tu as fait quoi? Non. Il a tout au salon. Dès qu'il finit, il va même me donner des explications. Il ne me donne pas bonne explication. Il prend mes barrages, je m'en vais. C'est ce qui va gagner. Oui, c'est pas grave. Il y a beaucoup de garçons. Hein. Il n'est pas le seul. Ah oui, oui, non, tu sais pas si. T'es jolie. Tu es marié légalement. Hein. Tu es mon fou parce qu'il va marier là. C'est comme ça que quelqu'un d'autre aussi va venir me marier. Professeur. C'est comme ça. Ok, merci, c'était tout. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Avec vous. Merci. Non, je vais te poser une question, ça ne te dérange pas. Oui, ça me dérange. Donc, tu as quitté ton travail, bien, peut-être, dans un voyage, et tu viens à la maison, tu supprends ton mari, tu vois le conjugal avec la servante, tout de faire le tour. Que feras-tu? Après 10 ans de mariage. Laisse-le, ok. Laisse-le, comment? Laisse-le, deux. Allez, si tu donnes 10 ans, il a fait ça, la servante, c'est que c'est pas elle, ce qui trouve hein. Oui, je laisse. Mais quand tu trouves que ça va être 10 ans qu'ils font ça. Non. Peut-être tu peux trouver qu'il est peut-être Yves. Et puis tu vois. Oui, je vais supporter. Moi, je ne vais pas supporter ça là. Je laisse. Quand je t'ai pas remis, tu as les datants de ça. Je ne l'attends pas avec. Tchaï. Le mariage est fini. Mariage est fini. Il y a le montrer où il laisse. Et puis il me fait. Dans 10 ans le mariage là. C'est la servante là. Elle va le prendre. C'est parce qu'il est mec, il est parti sortir. C'est jamais. Non. Je peux pardonner. Pardonner. Si lui me supprime, elle garde. Est-ce qu'il va me pardonner? Je peux pardonner. C'est pas faux. Bon, merci, c'était tout. Bonne soirée. Ok, à vous aussi. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Je peux te poser une question. Mais avant tout, est-ce que tu vas très bien? Bon. Tu as quitté le travail, bien peut-être, je ne sais pas, au voyage. Et puis tu viens voir ton mari en train de coucher avec ta servante. Tu vois, tu conjugales. Après 10 ans de mariage, que feras-tu? Je vais lui poser la question d'abord. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas dans le foyer? Ou bien qu'est-ce qu'il a tué chez la chaise de demander? Mais ils sont en plein acte. Donc là, tu as fait quoi? Tu as la frappé ou tu as sorti? Moi, mes connaissances, j'ai sorti. Tu as sorti. Platon au salon. Maintenant, la fille, elle va continuer à travailler avec toi ou bien elle va dire. Elle peut continuer à travailler avec moi. Elle s'est dit à vous, je veux pas te plaindre contre elle. Je veux pas te plaindre contre elle. Maintenant, si ton mari a dit qu'il a fait comme des éléphants. Comment il va me parier? 10 ans. Il y a des gens qui ont fait un de mariage 40 et puis ils sont. Il n'y a pas 10 ans hier, elle est partie. Ok, merci, c'était tout. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je peux te poser une question. Oui. Si tu supprends ton mari en pleine natte avec ta servante, sur votre lit conjugal, après 10 ans de mariage, que feras-tu? Bon, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Je ne vais pas réagir sur le champ. C'est avec mon mari que j'ai affaire. Donc, arrive à la maison, sera mon mari. Mais sur votre lit conjugal, tu les vois, tu es quitté au travail, tu es tout fatigué. Tu penses que tu as venu à la maison, tu as été reposé, mais tu les supprends. Non mais si je les suis, je les laisse et puis je sors parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas trop discuter et tout ça, je vais les laisser. On va en parler, Sinon je ne peux rien faire de bon là. Je ne peux pas faire la bagarre, je ne peux pas, je vais me mettre. C'est vrai que ça fait mal, mais là,
je vais m'abstenir. Je sais comment aussi me comporter. Et garder ma dignité et ma fierté de ça. Donc ta servante, tu vas la chasser ou bien tu vas la laisser continuer de travailler? Non, elle ne peut plus travailler. Elle ne peut plus travailler. Elle, non, bon, elle va partir. Ça, c'est elle. Bon, il ne peut pas dire que je vais partir, mais elle va partir tranquillement. Et puis maintenant, on va voir ce qui va se passer entre mes bulles. Si ça doit toujours fonctionner ou bien si ça va s'arrêter. Justement. Et toi, tu as fait comment pour la faire chasser? Non, mais c'est un petit problème. Du moment que c'est nous qui avons permis qu'elle rentre dans la mer. Donc, pour qu'elle passe, c'est un petit problème. Et s'il décide de la prendre comme deuxième épouse? Ah non, il la laisse fonder leur foyer. Puis je vais. Et je vais dans le monde. En tout cas, je suis pas dans la polygamie. Ok, merci, c'était tout. Bonne soirée. Merci. Juste vous dire de rester toujours abonné à nous, de liker toujours nos vidéos, de les partager massivement et rester toujours branché. Merci et bonne soirée à vous.